Un septième avantage du crudivorisme en été, diminution voire disparition des crevasses qui sont le plus souvent au niveau des pieds et des gerçures. Alors c'est quelque chose qui ne concerne pas forcément tout le monde, en tout cas peut-être pas autant de monde que la plupart des autres symptômes dont j'ai parlé. Moi par le passé, avant d'être crudivore, j'ai pu avoir quelques étés où j'ai eu des crevasses au niveau des pieds. Voilà, c'est des pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la peau qui devient très très sèche à tel point que ça éclate, enfin ça fait des crevasses au niveau des pieds et ça peut aller carrément jusqu'au sang. Donc la plupart du temps la solution c'est de mettre des crèmes spécialement conçues pour ces problématiques-là. Et ensuite lorsque j'ai été crudivore, ces problèmes-là ne revenaient plus l'été ou alors quelquefois étaient revenus mais de manière très faible. Après, il faut savoir que je n'ai pas non plus à tout le temps pratiqué le crudivorisme à 100% et qu'il existe aussi différents types de crudivorisme et en fonction de la façon dont on mange cru, cela répond plus ou moins bien aux besoins précis du corps. En tout cas, il faut savoir que voilà, à partir du moment où l'on supprime les aliments cuits, on va diminuer fortement la toxémie du corps puisque, comme je l'ai déjà dit, lorsque l'on cuit des aliments, il y a une transformation moléculaire. Et donc voilà, des molécules qui n'existent pas à l'état naturel, des centaines, des milliers de molécules qui n'existent pas à l'état naturel, des milliers en fait, vont rentrer dans le corps et l'intoxiquer. Et donc cette intoxication, cette toxémie va être partout dans le corps et donc également au niveau de la peau. Je pourrais comparer aussi cela à un chantier de construction ou de rénovation d'une maison. En fonction des matériaux qu'on va utiliser, si on utilise des matériaux de bonne qualité ou de mauvaise qualité, la maison bien va être de bonne qualité ou de mauvaise qualité et va plus ou moins durer dans le temps. Ou par exemple, si on utilise des vitres double vitrage ou triple vitrage, il va y avoir une bonne isolation phonique, thermique, etc. Et alors, il faut savoir que quand les molécules toxiques rentrent dans le corps quand il se construit, quand on construit nos tissus, quand on renouvelle nos cellules, quand on renouvelle nos tissus, le corps pioche dans les matériaux qu'il a à sa disposition. Et parfois, il n'a pas les matériaux de bonne qualité dont il aurait vraiment besoin. Donc, il prend ce qu'il a. Et donc, on pourrait imaginer, par exemple, qu'au lieu d'utiliser, par exemple, pour une maison où on utiliserait des briques de la même taille, bien rectangulaires, bien géométriques, imaginez un maçon qui utilise des briques qui ne sont pas toutes de la même taille, enfin, remarque. Il y en a qui le font, mais on pourrait imaginer plutôt des briques qui, ouais, peut-être qui sont pas de la même taille et aussi qui sont friables, qui ne sont pas correctement, qui sont pas solides correctement. Pour l'image de la peau, des crevasses, oui, on pourrait imaginer ça, une construction des murs qui sont faits avec des matériaux qui sont friables, où on n'a pas une solidité, une étanchéité, correcte afin de maintenir suffisamment d'années la maison en état. Donc la peau, eh bien, ça va être la même chose au niveau de la peau. Le corps va utiliser des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité et donc il va plus facilement y avoir la peau va être plus facilement abîmée jusqu'à arriver à avoir des crevasses. Les témoignages montrent en fait que lorsque l'on se met au crudivorisme, la peau en général est de meilleure qualité. Les personnes voient et leur entourage qu'on a l'impression qu'elle gagne en jeunesse, en fait, qu'elle gagne 5 ans, 10 ans. C'est vraiment pas rare d'avoir ce genre de témoignage. Donc les rides diminuent, la peau retrouve son élasticité, elle se retend si elle était distendue au niveau de toutes les parties du corps. Et en plus d'éviter les molécules toxiques que notre corps peut éventuellement utiliser s'il n'a pas mieux, le corps va également recevoir en masse plein de bons nutriments dont il a besoin pour se régénérer et nettoyer les tissus. Tout ce qui concerne également les boutons, l'acné, l'eczéma, les plaques rouges sur la peau vont disparaître. Si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qu'est le crudivorisme, je vous invite à regarder ma série de vidéos Découvrir le crudivorisme sur ma chaîne YouTube Solange Crudivore ou bien sur mon site internet solangecrudivore.fr. Il y a actuellement 2 vidéos disponibles et si vous voulez être sûr de recevoir les vidéos suivantes, il vous suffit de vous inscrire donc sur mon site internet. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!